Marie et le petit taureau noir. Il était une fois une petite fille nommée Marie qui vivait avec sa grand-mère près de la forêt. Un soir, Marie lui demanda : Grand-mère, tu sais, c'est bien pour toi de rester assise ici à tricoter, mais ça n'est pas très amusant pour moi. Je n'ai pas d'amis à qui parler. Et je m'ennuie. Elle vint ensuite s'asseoir près de grand-mère. Tu deviens grand maintenant, Marie. Tu dois prendre soin de ton nouvel ami. Oh, grand-mère, je l'aime tellement, ce petit Orion. Je l'aime tant. Je m'en occuperai. Il ne te dérangera en rien. Mais s'il te plaît, grand-mère, pourrais-tu me promettre quelque chose? Quelqu'un le prendra et il le tuera et on fera de la viande. Il sera tué. Pas question que je vende mon taureau. Où allez-vous? Personne n'a le droit d'entrer dans mon domaine. N'aie pas peur, Marie, ne crains rien. Un magnifique taurillon. Elle le lança dans le passage qu'il venait de franchir, et là, quand le petit pois tomba au sol, il y eut une énorme explosion.